Good morning, Aleiden. L'étude aujourd'hui sera les Lunishmat Rachel Batsara et le Lunishmat Rivka Batsara et les Lunishmat Yaakov Ben Aisha. Et nous étudions Baba Kama et Baba Metzia, Perek Aleph Mishnah Hei. Metziat Bno Ubito Aktanim. Metziat Avdo Veshifrato Aknaanim. Metziat Ishto Are Elu Shelo. Metziat Bno Ubito Agdolim. מציאת עבדו ושפחתו העברים, מציאת אשתו שגרשה, אף על פי שלא נתן כתובתה, הרי אלו שלהן. On va parler maintenant de personnes qui sont sous la tutelle d'un homme et qui doivent, oui ou non, donner, lorsque ces personnes vont aller acquérir des metziot, des trouvailles, alors la trave a fixé que ces trouvailles reviennent directement de droit à leur maître, mari, père, selon le cas qu'on va évoquer. Et on fait ça d'abord tout de suite dans les mots. Metziat bno ubito aktanim. La trouvaille qu'un enfant, garçon ou fille, petit, trouve donc. Un enfant ou... c'est-à-dire un petit garçon ou une petite fille, on va expliquer que c'est en réalité... pas exactement un petit garçon ou une petite fille, mais pour le moment on le traduit tel quel. Un petit garçon ou une petite fille qui ramasse quelque chose dans la rue, qui trouve un billet pour rester sur le billet de 100 shekels, donc depuis maintenant 3 jours je crois. Alors ils trouvent un billet de 100 shekels, ils le ramassent, ils sont tout contents, ils vont pouvoir aller acheter des sucreries. Ils arrivent et leur papa va leur dire bah non, écoutez mes enfants, ça me revient de droit. Lorsque vous trouvez quelque chose, c'est moi qui l'acquiert. Vous l'acquérez pour moi. De même. Metziat Avdo Veshifrato Akna Anim. Avdo et Shifrato, on parle d'un esclave ou d'une servante. Akna Anim. Goy. Il faut savoir, il y a une différence dans la Torah entre un esclave juif et un esclave goy. C'est possible d'acquérir un juif qui soit esclave, mais il a des halachot très strictes. Il est partiellement acquis. On a déjà évoqué cette halacha, déjà bien sûr, quand on étudie dans le Baba Kama. Il est partiellement acquis. Mais l'acquisition, on le considère beaucoup moins comme mon bien. C'est beaucoup plus difficile de dire que mon frère juif, c'est mon bien. Alors c'est vrai que j'ai certains droits sur lui, mais il n'est pas complètement un bien à part entière. À la différence d'un avdo beshifrato aknaanim, lorsque c'est un esclave ou une servante, goy, qu'on acquiert. Une différence, par exemple, le juif, on l'acquiert que pour 6 ans, pour une durée limitée. Jusqu'au Yovel, il y a plusieurs halachot qui sont explicités dans Masechet Kiddushin essentiellement. En tout cas, pour en revenir à notre Mishnah, donc, puisque l'esclave Goy, quand on acquiert un esclave Goy, il nous appartient pour l'éternité. Il appartient, lorsque le propriétaire décède, ses enfants héritent de cet esclave. C'est un bien autant qu'on peut avoir. On peut posséder une maison, on peut aussi posséder un esclave. D'accord ? Donc, pour notre Mishnah maintenant, lorsque mon esclave Goy va aller acquérir une Metzia, une trouvaille, puisque c'est mon bien, alors c'est moi qui deviens propriétaire de cette trouvaille qu'il acquiert. D'accord ? Ensuite, troisième cas, Metziat Ishto. Idem aussi lorsque une femme trouve de l'argent, trouve une trouvaille dans la rue, elle la ramasse, la halakha fixe que cette trouvaille revient à son mari. Autant que lorsqu'elle travaille tout son argent, elle doit le donner à son mari. Et là, dans la même idée, de nouveau, tout ce qu'elle trouve, quand elle acquiert, même si elle veut l'acquérir pour elle, malgré tout, on va lui dire, tu as raison, tu l'acquiers pour toi. Mais toi-même, d'une certaine manière, tu appartiens à ton mari, donc ça appartient au mari directement. Un peu plus de précision quand même. Non, on a qu'à d'abord finir plutôt toute la Mishnah. Ça va être très facile, donc tant qu'à faire, autant le... ça va être le contraste de chacun. Lorsqu'on a parlé de Bino Obito Octanim, des petits-enfants, cette fois-ci on va parler de Mno Obito Agdolim. Lorsqu'on va parler de Eved Knani, on va parler maintenant de Eved Israël, Eved Yehudi. Et ensuite on va parler d'une femme, donc on va rester... c'est un parallèle très simple. Donc on fait ça dans les mots ensuite, on continue la suite. Metziat Mno Obito Agdolim. La trouvaille d'un grand ou d'un grand ou d'une grande enfant, c'est-à-dire son fils ou sa fille, qui sont maintenant grands, trouve une trouvaille. Lorsqu'ils l'acquièrent, ils l'acquièrent pour eux. Ils ne doivent plus la donner à leur père. Metziat Avdo Veshifrato A Ivrim, idem aussi, si j'ai un esclave juif qui trouve, donc c'est mon esclave juif, je l'ai acheté, il est censé travailler pour moi,
tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, ça m'appartient. Ça, c'est clair, parce que c'est mon esclave. Ses mains m'appartiennent. Mais malgré tout, la trouvaille qu'il trouve, alors elle pourra lui appartenir. Et on va tout expliquer à l'oral, Bezrat Hashem. Metziat ishto shegeresha. Idem aussi pour la trouvaille de sa femme qu'il a divorcée. Afalpi shalonatan ktubata. Même s'il n'a pas encore eu le temps de lui donner la ktuba. Arelu shelahen. Dans tous ces cas de figure, donc c'est cette dernière série, trois quarts, en fait, ça fait cinq personnes. Dans tous ces cas-là, ça appartiendra à eux-mêmes et pas à leur propriétaire ou à leur père ou à leur mari. On les reprend un par un et on les explique un peu mieux à la lueur de la Gemara rapportée dans le Barthénora. Metziat bno bito aktanim ou agdolim. On a parlé de petits ou grands enfants, hommes ou femmes. En réalité, il faut distinguer qu'est-ce qu'on appelle un petit enfant et qu'est-ce qu'on appelle un grand enfant. Ça ne dépend pas de l'âge. Cette fois-ci, on va d'abord se concentrer plutôt sur bno, sur le garçon, d'accord ? Et ensuite, on parlera de la fille, du cas particulier de la fille. Pour le moment, on va parler d'un garçon. Il y a marqué un petit enfant, lorsqu'il l'acquiert, ça appartient au père. Un grand enfant, lorsqu'il l'acquiert, ça lui appartient à lui. En réalité, l'agmara explique, on ne parle pas qu'ils sont petits dans l'âge, mais plutôt petits et grands dans la dépendance des parents. Lorsqu'ils vivent, et là, en fait, c'est la notion qui va être rapportée durant tout le long de la Mishnah, essentiellement, dans la notion de Mishum Eiva. Même si, selon la loi stricte, ces personnes, lorsqu'elles acquièrent, on verra que... En théorie, elles doivent acquérir pour elles. Elles ne sont pas acquises à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas propriétaire de mon fils. Même lorsqu'il a 5 ans et 6 ans, je ne suis pas propriétaire de mon fils. D'accord ? Et à plus forte raison, lorsqu'il a atteint sa majorité religieuse, qui va partir encore moins. Quoi. Il est pas... Malgré tout, il y a une xéra des Rabbanan. Chachamim ont décrété que puisqu'il vit sous ma tutelle, c'est moi qui le nourris, je me fatigue à travailler et à gagner de l'argent pour ensuite le nourrir, alors la moindre des corrections de l'équilibre normal dans une famille qui vit dans un pareil, c'est que lorsque le fils trouve une trouvaille, qu'il donne cette trouvaille intégralement à son père. C'est la même notion aussi avec la femme, dans la mesure où le mari a des obligations envers sa femme de la nourrir, de la guérir et tout ça, alors c'est pas possible que lui, il est en train de suer à l'usine, il revient noir et puant tous les soirs, et puis madame a trouvé son shekel et elle est là en train de se la couler douce, de s'acheter des petites sucreries, peu importe. C'est pas une situation normale, donc c'est ce qu'on va appeler dans la Gemara, rapporté dans le Barthénora, Mishum Eiva, pour qu'il n'y ait pas de Eiva, ça vient de le même mot que Oyev, Iov, Oyev, de lutte, de conflit à l'intérieur de la maison. Donc, la moindre des corrections, c'est ce que tu trouves. On n'est pas en train de parler de ce qu'il gagne. Ce qu'il gagne, c'est encore un autre sujet qui ne sera pas évoqué dans ma Maseret Bava Metzia. Dans la Gemara, on en parle, mais pas dans la Mishnah. Pour le moment, la moindre des corrections, c'est que ce que tu trouves, en tout cas, ou ne tu t'es pas fatigué pour le récupérer, pour le gagner, alors donne-le intégralement à celui qui te fait vivre et évite ainsi des disputes, des conflits à l'intérieur de la maison. Donc, comme ça, on a résolu le problème de Beno et on a résolu aussi le problème de Ishto. Bito, donc Bno, c'est le fils. Et donc, je répète encore une fois, on ne parle pas de petit ou grand enfant selon l'âge, mais selon la dépendance. S'il vit sous la tutelle du père, il est étudiant, il a 22 ans, mais c'est le père qui est en train de le nourrir. Il est nourri et logé chez son père. Donc, tu trouves quelque chose, tu le donnes à ton père. Si tu as même 6 ans et 7 ans, tu vis maintenant indépendamment de ton père, d'accord ? Il gagne son argent pour gagner son pain, pour aller s'acheter à manger. Alors dans ce cas-là, il n'a plus de devoir de donner ce qu'il gagne à son père. Ce qu'il gagne, on parle de nouveau de Metzia, d'accord ? De trouvaille. Ensuite, pour Bito maintenant, et comme je vous l'ai dit aussi, c'est la même notion aussi avec la femme. La femme, pour le moment, on reste sur le cas de la Risha. La femme, puisque je dois la nourrir et j'ai plein d'engagements envers elle, alors lorsqu'elle trouve quelque chose, elle doit me le donner aussi, elle me le donne à l'Pidine, ça m'appartient. Ensuite, le cas de Bito maintenant, le cas de la fille. Alors, tout ce qu'on a dit pour le garçon, c'est vrai aussi pour la fille, mais avec une petite différence supplémentaire pour la fille. C'est que, pour la fille, même si elle est plus sous la tutelle du père, mais qu'elle est encore petite, qu'elle n'a pas encore atteint, elle a atteint la majorité religieuse, mais elle n'est pas encore ce qu'on appelle boguer, est une adulte. On verra que chez la fille, l'évolution de la fille, ça se passe en trois étapes. Elle est au début petite, après, elle devient ce qu'on appelle... Nehara, jeune fille, elle n'est pas encore femme complètement, jeune femme, d'accord, c'est entre les deux,
Et ensuite, elle devient Bogeret, 6 mois après. En général, ça se passe à 12 ans, 12 ans et demi. C'est les deux limites. Jusqu'à 12 ans, elle est petite. De 12 ans à 12 ans et demi, elle commence à avoir son corps qui se développe. Elle prend un statut spécial. Elle n'est pas encore Bogeret, elle n'est pas encore indépendante, elle est encore sous la tutelle du père. Mais elle commence à le devenir. Pour plein de halakhot, dans la Torah, c'est ce qu'on va appeler une Nehara, une jeune fille. Et ensuite, après 6 mois de cette situation, alors elle devient ce qu'on appelle Bogeret, elle continue son évolution, maintenant elle est complètement indépendante d'un point de vue de la Torah. En l'occurrence, lorsqu'elle est petite, même si on a fixé comme ordre que je ne la nourris pas, elle se débrouille toute seule, elle gagne son argent, malgré tout, la trouvaille qu'elle trouve appartiendra à son père. Je recommence. En marquant la différence avec un garçon. Un garçon, on a dit, le seul paramètre, c'est sur le compte de qui il vit. S'il vit sur le compte de son père, il doit donner la trouvaille à son père. S'il ne vit pas sur le compte de son père, il pourra garder la trouvaille pour lui, même s'il est concrètement petit enfant. Il a 6 ans et 7 ans et 8 ans. La fille, elle a la même règle, premièrement. C'est-à-dire, tant qu'elle vit sous la tutelle de son père, elle doit lui donner sa trouvaille, même si elle a 22 ans. Mais avec en plus de ça, un détail important, c'est que si elle ne vit plus sous la tutelle de son père, malgré tout, tant qu'elle n'a pas atteint sa majorité, tout ce qu'elle trouve, elle doit le donner malgré tout à son père. Pour quelle raison? C'est un petit peu discuté. Il y a Barthénois qui rapporte, ça se fonde sur une notion claire, c'est que le père a des droits sur sa fille, même d'un point de vue de la Torah. Il peut d'abord, pour un moment, il peut la vendre en esclave. Même lorsqu'elle ne vit pas sous sa tutelle. C'est pas vraiment son bien, c'est vrai, mais il a des droits beaucoup plus forts. On a des droits beaucoup plus forts sur une fille que sur son père. Que sur son fils. Deuxièmement, le père peut décider à qui la marier, à qui il veut. Donc, en l'occurrence, c'est un petit peu fondé sur ça. Non, d'abord, j'apporte la troisième halakha, ce sera plus facile. Troisième halakha aussi, c'est dans l'Ilchot Nedarim, quand on arrivera à la paracha de Mas'e. On apprendra, Bezrat Hashem, que le père peut annuler les vœux de sa fille. Vous voyez ici, encore une troisième fois, lorsque la fille prononce un vœu, si le père est à côté, il pourra dire « j'annule ton vœu ». T'es pas assez libre pour décider tout seul, moi je t'aide à décider. Alors qu'un père ne peut rien faire sur son fils. Bien sûr, on va parler dans ce cas-là d'une fille ou d'un fils qui approche leur majorité religieuse, mais qui l'ont pas encore dépassé, c'est une situation un petit peu intermédiaire. Mais en tout cas, voilà pour la halakha. Donc on remarque maintenant sur ces trois points par exemple où le père a des droits forts sur sa fille ou d'une certaine manière il est un petit peu propriétaire de sa fille. En l'occurrence, puisque le père peut décider, on va illustrer ça de manière beaucoup plus vivante. Supposons que le père ne nourrit pas sa fille parce que le pauvre, il trime, il sue toute la journée et il n'arrive même pas à subvenir à ses besoins. D'accord ? Légitime ? Malgré tout, le père, il a des droits sur sa fille que s'il veut, il peut la décider. Il peut décider de marier sa fille à un monstre. Il a le droit de le faire s'il voulait le faire. D'accord ? Alors maintenant, imaginez la scène d'une fille qui trouve une enveloppe avec 5000 shekels. Et qu'est-ce qu'elle fait, madame, mademoiselle ? Elle va s'acheter des maquillages de toutes les couleurs et elle va commencer. Et lui, il est là, il est en train de travailler comme un... D'accord ? En train de s'user, de trimer tous les jours pour pouvoir... tant bien que mal, essayer de subvenir au moins aux besoins de ses petits-enfants, des enfants en bas âge qu'il a à sa charge. Il n'ose même pas songer à nourrir sa fille, au point où il a dit à sa fille, vas-y, va-toi travailler pour gagner ton argent et manger tout seul. Et imaginez maintenant, elle touche son enveloppe et elle commence à se la couler douce avec sa enveloppe. Le père va vraiment se fâcher, il va dire, ah, tu me fais ça. Il va la prendre, il va prendre la personne la plus horrible de la ville, elle veut lui dire, tu veux te marier avec cette petite fille-là? Si tu veux, tu me donnes 10 000 shekels, 20 000 shekels, 30 000 shekels, prends-la. Et il va la marier. Donc vous voyez que là, ici, on a un problème. Donc il vaut mieux pas commencer à se frotter avec, à irriter un petit peu son père. De ce fait, on reste avec le même décret que pour ne pas vivre en conflit, la fille, tant qu'elle est, elle n'a pas atteint sa majorité, cette fois-ci on parle d'âge, elle sera obligée de donner sa trouvaille à son père. D'accord? C'est la même notion de Eiva. On continue maintenant sur la deuxième partie. On remet un petit zoom, même si tout était relativement clair. Avdo veshifrato aknaanim et Avdo veshifrato aivrim. L'esclave et la servante. Goy ou juif. Comme on a dit, la notion est claire. Eved knaani, c'est un kinyan, c'est un bien
très fort. Un esclave goy qu'on acquiert, il a des halakhot. Il faut lui faire le brit mila pour un homme. Cet esclave ensuite devra ensuite respecter plusieurs mitzvot, pas toutes, en tout cas plein de mitzvot. Il est d'une certaine manière un petit peu juif. C'est une forme, ça peut ressembler un petit peu à la Guéroute, à quelqu'un qui va devenir un converti, d'une mode un peu différente quand même, mais dans l'idée, c'est il rentre quelque part dans le clan Israël, mais il rentre dans le clan Israël en tant que bien qui appartient à quelqu'un. À la différence du Eved Ivri, le Eved, l'esclave juif, que cette fois-ci, c'est une personne libre foncièrement, il a reçu la Torah, il a imposé par toutes les mitzvot d'Hachem. Alors c'est vrai que quand il n'a pas d'argent et qu'il est obligé de se vendre en esclave, il va pouvoir se vendre à son frère juif en esclave. Mais son frère juif aura un pouvoir très limité sur lui. Et de ce fait, quelque chose qui est ramené par exemple dans la Gemara, il va pouvoir travailler d'une main pour son patron et avec l'autre main faire un deuxième travail et gagner cet argent-là du deuxième travail et se le mettre dans sa poche à lui. D'accord ? C'est pas un bien aussi fort que le Evet Lunani. De ce fait, il peut encore avoir quelque part une caisse personnelle. D'accord ? Et de ce fait, cela remplir. Et en l'occurrence, la métia, la trouvaille qu'il va trouver pendant qu'il est esclave, elle va être à lui. D'accord ? Troisième partie maintenant de la Mishnah, c'est l'histoire de la femme. Alors la femme, là c'est clair, on l'a déjà expliqué depuis le début, c'est un problème aussi de nouveau Mishum Eiva, ne pas vivre en conflit avec sa femme, puisque le mari a plein de devoirs envers sa femme, le minimum c'est qu'elle lui donne certaines choses, en l'occurrence, la trouvaille. On a juste un problème à comprendre la fin de la Mishnah. De quoi on parle quand on parle de Metsiat Ishto Shegeresha ? La trouvaille de sa femme qu'il a divorcée. C'est une halakha évidente. Un homme qui divorce sa femme, c'est plus sa femme. Même s'il lui a pas donné la ktouba. Elle est divorcée, c'est plus sa femme. Qu'est-ce qu'on lui veut ? Et en fait, la Gemara, elle explique qu'on parle d'un cas particulier. On parle du cas où il a déjà voulu divorcer sa femme. Il lui a lancé le guet, par exemple, dans sa direction. Et on ne sait pas si le guet, il est arrivé... Est-ce qu'elle a acquis le guet ou elle n'a pas acquis le guet ? Concrètement, dans la Gemara, ça s'appelle Safek Karovla. Je préfère pas évoquer le sujet, c'est un peu plus délicat. On a un doute, est-ce que finalement, elle a réussi à acquérir son guet ou pas ? Alors finalement, dans le doute, elle va rester sa femme. Il va devoir lui redonner un deuxième guet. Et pire que ça, il est encore engagé avec tous ses engagements pour le moment, puisque concrètement, c'est légalement, c'est encore sa femme. Il a encore des devoirs envers elle, puisqu'il n'a pas... D'accord ? En l'occurrence, en théorie, la femme, lorsqu'elle devrait trouver une trouvaille, elle devrait la donner à son mari. Mais malgré tout, Rami m'ont dit, non, regarde, puisque le but, tout ce décret-là, de donner la trouvaille au mari, c'est pour éviter de vivre en conflit. Quand tu es en ce moment sur la sellette, en train de te faire éjecter, même si on n'a pas réussi à actionner le bouton comme il va falloir te donner un deuxième guet. On n'a pas de problème qu'il n'y ait pas de conflit entre vous, vous vivez en conflit en ce moment, de ce fait, elle pourra garder sa métia pour elle-même, sa trouvaille pour elle-même. Et on a fini la Mishnah, on fait maintenant le Bartanora rapidement. Aktanim. Donc maintenant on revient sur la première partie de la Mishnah, la trouvaille de son fils ou de sa fille, Aktanim, qui sont petits. La Bartanora nous précise Aktanim, donc on parle pour le moment du Ben, du garçon. Tout enfant qui est samouch al shulchan aviv, qui est encore dépendant, littéralement, il est encore proche de la table de son père, c'est-à-dire il vit sur le compte de son père. Afilu gadol, même s'il est grand, il a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans. Karele katan, la Mishnah l'appelle un katan finalement. Et sa trouvaille appartiendra à son père, Mishum Eiva, à cause du conflit. D'accord ? De la haine, du conflit. Ve'abat, par contre pour la fille, c'est différent. Ben Ktana, Ben Nehara, qu'elle soit petite ou qu'elle soit jeune fille. Metsiata le'avia, toujours elle devra donner sa trouvaille à son père, donc même si elle n'est plus sous sa tutelle. De Torah, Zirta, Kol Shvach Neorea le'avia, car la Torah a donné au père plein de droits sur sa fille, jeune fille, tant qu'elle n'est pas encore devenue adulte. Ensuite, on continue sur le Avdo Veshifrato Aknaanim. Avdo Veshifrato, donc son esclave et sa servante Aknaanim, qui sont goy. Share Gufan Ganoilo. Pourquoi tout ce qu'ils gagnent appartient à leur maître? Cette fois-ci, c'est parce que Gufan Ganoilo,
le maître est propriétaire de leur corps. Et c'est d'ailleurs là la différence avec le Eved Knanani, avec le Eved Ivri. Dans le Eved Ivri, on n'appelle pas que, on dit pas que le maître a son Eved Kanouy, chez Goufo Kanouy. Il n'a pas son corps qui est acquis. Il a juste Maase Yadav, ses mains. Je suis propriétaire des mains de mon esclave juif, mais pas de son corps. À la différence du Eved Knanani, c'est des expressions de Gemara, tout ça. À la différence du Eved Knanani, où je suis propriétaire de son corps, concrètement. J'ai pas le droit de le frapper, j'ai pas le droit de lui faire du mal, mais en tout cas, je suis propriétaire de sa chair. Ensuite, Kedirti Vitnachaltem Otam, la preuve de cette halakha que je suis propriétaire de son corps, vient du fait que Vitnachaltem Otam, la Torah nous a dit, vous pourrez hériter de vos esclaves. Ensuite, Metziat Ishto, c'était le troisième cas de la Reisha, donc la trouvaille de sa femme, Rabbanan Takinu Lei Mishum Eiva, nos maîtres ont décrété de lui donner. Que la femme devra donner à son mari la trouvaille, Mishum Eiva, à cause de la querelle, du conflit, comme on a traduit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là.